J'ai une eau pour une nouvelle de cette vidéo. Ça, là, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Je sais pas si en fait le défi football givré sort se dire le je vais vous dire tout de suite le jeudi 3 décembre. Ah, vous allez voir à l'envers. Enfin bref, jeudi 3 décembre, et ben je sortirai la vidéo le vendredi. Mais s'il n'y a pas de football défi football givré, ben je ferai une vidéo jeune homme équipe ou une vidéo comme ça. Et voilà, je la sortirai. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt. Enfin bref. Du coup, là, j'ai reçu un maillot. Hop. Hop, le maillot. On va tout de suite l'ouvrir. Je vais tout de suite l'ouvrir. Hop. Tac. Il faudrait que j'y arrive. Du coup. Dites-moi vite fait en commentaire, vous croyez que je vais mettre quel maillot? Vous croyez que quel maillot que j'ai commandé? Du coup, tout d'abord, on a un petit mail. Hop. Ouais, ok. Ensuite. Ouais, il est là le maillot. Il est là le maillot, les gars. Hop. Tac. Voilà le maillot. Tac, le maillot. D'Anderlecht, bien sûr. Qui est plutôt stylé, je trouve. Il est plutôt pas mal. Franchement, il est stylé. Un peu avec floqué derrière. Mickaël Murillo, bien sûr. Murillo, un joueur que je kiffe énormément même. Je vais tout de suite. Parfait. Je vais tout de suite l'essayer et je vous montre. Hein. A tout de suite, les gars. Voilà, je l'ai mis. Du coup, là, l'étiquette, j'ai laissé, je l'ai retiré. Si, il est bon, bien sûr. Mais pour moi, il est bon. Ouais. Franchement, il est plutôt pas mal. Ça me fait plaisir de l'avoir acheté. Ne vous inquiétez pas, je vais encore m'acheter d'autres maillots. De sa période de Noël et tout, l'argent est tout beau, je vais pouvoir m'en acheter des nouveaux et je m'en achèterai. Au début, je voulais me prendre le maillot de Sergio Ramos, Real Madrid, maillot à domicile, bien sûr, le blanc. Mais le prix, c'était pour mettre les badges Ligue des Champions et tout, ou même Liga, c'était en tout, si je me trompe pas, c'était 200, non, 165 euros pour ça. Et moi je me disais non, 165 euros pour ça, non merci. Du coup je verrai pour le maillot. Mais je pense quand même le prendre, mais je verrai. Du coup moi je trouve qu'il me va bien. Je vais directement découper. Ça c'est la décision de mon petit frère, c'est pas très très grave. Hop, voilà. Ok, bon. Du coup. Je vais pas arriver à retirer, c'est pas ce comment. Ah ouais. Du coup c'est bon, voilà le maillot. Et bien bel acheté. Franchement, ça me fait plaisir de l'avoir. Du coup, je vous montrerai derrière. Est-ce que vous voyez? Il est un peu froissé, j'ai l'impression, mais avec le repassage et tout, ça va aller. Hop là. Moi, je trouvais plutôt stylé. Il me plaît, ce maillot, franchement. Et maintenant, à tout de suite pour la vidéo. Du coup, les gars, nous voilà dans ma galerie. En gros, je vais vous montrer ce que j'ai paqué. Du coup, voilà. Déjà, désolé, j'avais dit normalement, ce serait une vidéo football givré, mais le défi football givré n'est pas sorti. Nous sommes le 6 décembre et il est toujours pas sorti. C'est à Saint-Nicolas, mais il n'est pas sorti. On s'en fout de la Saint-Nicolas, enfin bref. Mais il risque de sortir, je pense, je sais pas, le 9, un truc comme ça. On verra. Dès que le défi Tournament 6 sera terminé, je pense qu'il sortira. Mais on verra, les gars. Du coup, j'avais paquet Boateng que j'avais revendu 2,6 millions. Ensuite, j'avais tenté un pack à 2500 gemmes et j'avais eu Didier Lame Kelsey. J'ai revendu 1 million et j'avais été plutôt pas mal. Ensuite, j'ai récupéré la Calvert-Lewin tranquillement. Ensuite, j'ai paqué Stindl dans un pack où ça, c'était pas un joueur. Un joueur obligé, hein. Pas forcément. Ensuite, j'ai récupéré Rio Ferdinand et j'ai paqué dans l'élite grâce à l'icône Joshua Kimmich vendu 1 million 4. Du coup, directement, on va sur le jeu, les gars. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît quand j'achète un maillot et que je vous le montre en vidéo. Je fais un genre de unboxing. Oui, je fais pas comme certains youtubeurs où j'achète 5 maillots et tout, je monte tout d'un coup. Je préfère un par un dès que j'en achète et je vous montre. Et voilà. Du coup, là aujourd'hui, on va récupérer
Ousmane Dembélé. Du coup, hop, où est-il Ousmane? Ousmane, tu es où? Ok, il est là, les gars. Ousmane Dembélé. Ah Bonjour les gars, coach, je vous avoue, ça fait plaisir de récupérer Ousmane Dembélé. Regardez ses stats une fois. 110 de vitesse, 91 de tir, waouh, des stats monstrueuses. Est-ce qu'avec lui, je passerai à Nantes? C'est ça que je me pose la question. J'ai bien l'impression, là, vous allez dire comment il a 6 millions. Bah, en gros, je devais acheter Sergio Ramos le 95, mais il coûte 15 millions. Du coup, à la place, j'ai acheté le 87 pour venir. Et du coup, j'ai mis le 95 de côté. Du coup, voilà. Au moins, vous êtes au courant. Je préfère vous l'avoir dit que carté et tout. Du coup, voilà. Du coup, là, on met le rank. Normalement, on passera à 98. Bientôt, sans gêne. Mais là, Ousmane. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir. Je l'avais déjà pris dans le 19. Ouais, 19. Et c'était plutôt pas mal là, du coup. Parfait. Oh, je suis à 5,9 millions. Ok, bah pas grave. On va récupérer de toute façon. Là, est-ce que je peux... Ouais. Tac. Tac. Du coup, voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. C'était Jim Geno. Allez, ciao et peace.